Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 13 juin et c'est vraiment là l'événement du jour. Ça commence à être le chaos, les frontières en Irak qui sont en train de sauter, la partition du pays qui devient de plus en plus claire. Tout ça avec la Syrie, il y a beaucoup d'articles passionnants sur le sujet, ça crée une envolée des cours du pétrole. On commence à avoir des réactions, on a aussi des réactions sur les marchés boursiers. Alors pour l'instant pas grand chose, mais ça commence quand même à bouger. Et ça bouge surtout sur le marché des changes où le patron de la Banque d'Angleterre a dit « contrairement à tous les autres pays, je vais peut-être devoir remonter les taux à cause de l'inflation et de la hausse de la bulle immobilière en Angleterre ». Justement, le Figaro Économie fait une spéciale bulle en disant finalement, est-ce qu'il n'y a pas des bulles partout? C'est ce qu'on pense. Des bulles sur la bourse, des bulles sur l'immobilier, des bulles un peu partout. C'est ce que dit le Wall Street Journal. Attention au prix de l'immobilier en Angleterre. Ça suffit. C'est vrai que ça suffit. Troisième jour de grève de la SNCF. Franchement, ras-le-bol. Alors, les échos nous disent le gouvernement tient bon et la CGT souffle le chaud et le froid en attendant des milliers de personnes sont prises en otage toute la journée. Montebourg qui continue à pousser Bouygues à se marier, qui ne veut pas ses licenciements, et Bouygues qui donc force Montebourg à forcer Orange à faire une offre sur Bouygues Télécom, ce qui va probablement se produire. On va avoir bientôt l'offre Siemens Mitsubishi sur Alstom, ça devrait être lundi. Et enfin, la nouvelle incroyable, quand même très étonnante, c'est l'impôt sur la fortune qui atteint des nouveaux records, un record absolu. On est à 5,3 milliards d'euros d'impôt sur la fortune. C'est quand même des sommes qui sont colossales. 650 millions d'euros perçus de plus que l'année dernière. Tout ça grâce à la bourse et aussi grâce aux avoirs qui ont été rapatriés dans le cadre de la régularisation. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.